Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu afite n'umunyururu munini mu ntoki ze afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi akijugunya ikuzimu arahakinga ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho imyaka igihumbi izashirira icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito amen. Pourquoi est-ce que on dit que Satan sera lié 1000 ans? Kuki bavuga ko Satani azabohwa imyaka igihumbi? On n'a pas dit 2000 ans, 1000 ans. Ntabwo bavuze imyaka ibihumbi bibiri bavuze imyaka igihumbi. C'est parce que nuko le règne de son ennemi gutwara kumwanzi we ça veut dire Jésus-Christ nokuvuga ngo Yesu Kristo sur terre kwisi va durer 1000 ans kuzamara imyaka igihumbi. Alors Satan rero Satani il ne peut pas être en liberté ntabwo ashobora kuba ari mu mudendezo pendant que Jésus règne ici igihe Yesu atwaye hano. Pour que Jésus commence son règne, kugira ngo Yesu atangire gutwara kwe, pendant qu'il sera en train d'anéantir les armées du monde qui viendront contre Jérusalem, ubwo azaba ari kurimbura ingabo zizaba zateye Yerusalemu, dans le monde spirituel, n'isi y'umwuka, l'ange Michael, marayika w'Imana Mikayeli, accompagné d'autres anges, ari kumwe n'abandi ba marayika, parce qu'ici on parle seulement du chef. Ça veut dire l'ange qui va venir. Dans d'autres passages, c'est l'ange Michael. C'est l'ange guerrier. C'est lui le défenseur d'Israël. L'ange Michael. Avec son armée. De différents rangs d'autorité. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a différentes entités. Le monde spirituel, il y a des généraux. Il y a des capitaines. Il y a des majors, etc. Dans le monde spirituel, il y a des entités spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les archanges. Les archanges sont des anges puissants de premier ordre. Il y a les chérubins. Et après, il y a d'autres anges intermédiaires. Donc, il y a toute une hiérarchie angélique. Dieu connaît Satan avec les différents échelons de son hiérarchie. Alors, Michael viendra avec des entités spirituelles du ciel correspondant aux entités du règne de Satan. Les majors s'en prendront aux majors. Les généraux s'en prendront aux généraux. Les caporaux s'en prendront aux caporaux. Voilà pourquoi Michael va attaquer Satan lui-même. Il va le lier pendant 1000 ans. Et les autres anges déchus, ils vont aussi être capturés. Et les simples démons aujourd'hui, les esprits qui nous malmènent aujourd'hui vont être pris aussi, capturés, et ils vont être envoyés dans le séjour des morts, dans l'abîme, pas dans le feu éternel. Là, ce n'est pas encore le moment. Vous direz pourquoi. Satan ne va pas aller directement dans le feu éternel. Non. Parce qu'il aura encore une carte à jouer, la dernière. Après le millénium. Alors, quand le monde démoniaque avec Satan à la tête sera déjà mis hors d'état de nuire et d'agir, quand le monde démoniaque sera mis captif, ça veut dire être mis hors d'état et de nuit dans la prison
Là alors Jésus va commencer son règne. Aho rero nibwo Yesu zatangira gutwara. Et c'est ça. Kandi nibyo. Qui aura pour conséquence? Bizagira ingaruka. Le lion qui va fraterniser avec l'agneau. Intare izagira numubano n'umwana w'intama. Tu n'auras plus d'ennemis. Nta mwanzu uzabukiriho. Toi qui as des ennemis aujourd'hui. Wowe ufite abanzi uyu munsi. Pour des raisons XY. Kubwo impamvu runaka. Valable ou pas valable. Zemewe cyangwa zitemewe. Ah, au millénium de Jésus. Il n'y aura pas l'esprit qui exacerbe ou qui est comme un catalyseur qui stimule la méchanceté. Il n'y aura que l'esprit de Dieu. The Holy Ghost will be hovering over the earth. Comme il était au début. Là, Genèse, le premier verset de Genèse. Hein? Au commencement était Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Le monde était informé vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En anglais, il est dit, the Holy Ghost was hovering. Yari abundikiye. Aha, voilà. Il était là en attente de la parole de Dieu pour créer. Yari ategereje ijambo ry'Imana kugira ngo areme. Amen. Il était là, il attendait. Yari abundikiye raho ategereje ijambo pour créer. Kugira ngo areme. Du toiboy à l'harmonie. Bivuye mu kavuyo bikajya mu murongo. Alors, au millénium, pendant le millénium, le même esprit, parce que Satan est lié, Satan avec Abazimu, n'abazimu bose, n'abarungi, n'abarungi, n'ibibazo byabo, n'ibibazo byabo, no kuraguza, no guterekera, na bya biheko wambaye, n'ibindi byose, bizaba byamaze gutwagwa hariya kure, muri gereza. Amen. Et à ce moment-là, na daimoni ni mwiza charuka. Na daimoni ni mwiza bikidegembya. Na ya majini yose azaba tagihari. Amen. Na babazimu batuma ugira ibibazo azaba tagihari. Na ya myaku n'abana bayo bazaba tagihari. Oh rashakara marasandara barasika. Ikyumu ijima kizaba kitagihari. Amen. Na bwa bugome n'ubwicanye n'ibiki byose bizaba tagihari. Hanyuma kuko bitagihari imbuga ikubuwe. The same Holy Ghost. Wa mwuka nyine azongera aze yovering. Azangera abundikire. Ngo niyo mpamvu isi zuzura kumenya icyubahiro cy'Uwiteka nkuko amazi yuzuye. Makofi kwa Bwana. Amashimeshi kumwami. Makofi kwa Bwana. Amashimeshi kumwami. Oh hallelujah. Hallelujah. Biraryoshe. Le millénium, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas la finalité. Voilà pourquoi il est comparé à la fête des tabernacles. Parce que les tabernacles rappelaient le voyage. Ça veut dire que la création est encore dans un voie. Voyage. Ce n'est pas encore le ciel. Ce n'est pas encore la finalité. Il n'y a pas encore le jugement dernier. Alors c'est quoi? Je vais terminer. Si le millénium de Jésus n'est pas le ciel, ce n'est pas le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors le millénium c'est quoi? Nous allons chercher un mot en Kinyarwanda. Alors, vous qui connaissez le français, mentionnez ceci. Abazi gifaransa mufatibi. Le millénium de Jésus. Ikinyagihumbi cha Yesu. C'est l'antichambre du ciel. L'antichambre ou le vestibule. Nous voyons ngo aramazu yubakwa mbere yo kwinjira muri chambre nyirizina harakumbunyu unyuramo hanyuma utuntu tumuka dusigariya ubone kwinjira mucyu mucyumba. Ça, on l'appelle antichambre. Regardez, je vous dis. Nous 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 vous dis. Nous
wabibise cyangwa icyumba cyo kuryama harakandi ku kumba unyuramo iyo ni antichambre cyangwa vestibule none ubwami bwa Mesia ntabwo ari juru ahubwo nahantu ibyari mu bizabanza kunyura bitegurirwa none guhika byinjira unyiri nyirizina kya kombre ari bindi bishinza avuga kuri millennium quelle sera la durée de vie des hommes pendant le millennium ese abantu bazaba babaha imyaka ingahe mu gihe cy'ikinyagihumbi parce que tout va être changé kuko byose bizahinduka alors écoutez-moi bien rero munyumve neza pendant le millennium mu gihe cy'ikinyagihumbi on ne parlera plus d'espérance de vie ntabwo hazaba bakivuga ngo kurama life expectancy ntabwo ari zakoreshwa kuko uyu munsi baravuga life expectancy umunyarwanda ngo mbere mu myaka ya 60 ngo yabagaho imyaka 30 sibyo nicyo kizere cyo kubaho none twarazamutse kuri 52 sibyo abanyaburayi bari kuri 82 iyo nibita espérance de vie sibyo mais l'espérance de vie n'est pas la durée de vie l'espérance de vie on aspire ushobora kubigeraho cyangwa tubigereho kuko bira dependa na ma condition mais il y a beaucoup de paramètres ni muri umukene ukarya nabi birumvikana ko uze nimba uba mu bintu by'imambe by'ama microbe sibyo ndi gene yawe kabicumbagira babivise eh nuko ngo espérance de vie ari byinshi byatuma uyigeraho cyangwa nuyigero iyo average yo moyenne alors dans le millennium on ne parle pas d'espérance de vie Non, la Bible parle de la durée de vie. Today we talk about life expectancy. Uyu munsi tuvuga ikizere cy'ukubaho. Ariko muri millennium tuzavuga la durée de vie. Ariko mu gihe cy'ikinyagihumbi tuzavuga igihe cyo kubaho. Kuko n'ubuzima bw'abantu buzahinduka. Tuzabyiga byose. Kandi on laissera parler la Bible, n'est-ce pas? Tuzareka Bible ivuge, sibyo? Sibyo? Eh, tuzamenya la durée de vie ireba bande. Ni bande iyo myaka yo kubaho izabireba. Ni bande itareba. Kuko muri millennium harabo ireba nabo itareba. Tuzabyiga byose. Muri kiriyo kubimenya? Amen. Amen. Harabo bizabireba nabo bitareba. Iyo wabyuvise. Alors millennium ni isomo riri mu bintu byinshi. Ariko kubimenya bituma ibintu by'imikino umubivamo bituma umuntu agira ibyingiro bitajekajeka bituma ubona ko Yesu yakoze muri muhambaye haleluya amen bituma unezererwa kumuvuga uwo mwami amen bituma ushima kumukorera amen haleluya amen isi tuzayikandagiramo amen Yesu azima ingoma ye c'est une certitude mathématique ibyo nta gushidikanya kubirimo nago ibintu byo gushakisha kandi ibiro biraba kwisi uno munsi byavuze na Biblia biratwereka ko millennium iri hafi ntakabuza izaba ari kibazo ro uzaburihe wowe parce que tu dois préparer ça aujourd'hui ukwiye kubitegura uyu munsi lisez moi Isaïe 55 musomere Yesaya 55 verset 6 murongo wa gatandatu OK jusqu'au verset 11 geza ku murongo wa 11 nimushake uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaze akiri bugufi umunyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambi agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe erega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga nkuko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira nkuko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bukabeza imbuto bugatoshya n'ingundu bugaha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka rizashobora gukora icyo naritumye amen 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 Yonde yivizera ya magambo y'Imana. Niumva? Ngujambo rye ntago rizasubira amara masa. Rizakuricho? Nimbivuga ko Yesu azaza hano kimingoma.
biri kubiza kubiza rero uyu munsi nakwifuriza kwizera amagambo yose wumvise.